Claude, le Togo fait partie des qualifiés. Vous allez d'ailleurs partir très prochainement pour le Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez de ce CHAN 2021 avec notamment 4 des 6 stades qui seront utilisés prochainement pour la CAN? La confirmation que le Cameroun est tout à fait capable d'organiser une compétition continentale et est prêt pour la prochaine, ouais. pour la CAN. Après, c'est vrai que vous l'avez dit. Voici ces stades, ils sont très beaux, évidemment. Oui, moi j'ai une équipe avec mon team manager, Pawina Mbatema, qui a passé une semaine, la semaine dernière, pour vérifier les terrains d'entraînement, les hôtels et tout. Et il m'a dit, véritablement, tout est parfait. Il n'y a absolument rien à dire. Tout est y fait. Y compris les infrastructures autour, les hôtels, les routes pour aller au stade, etc. Les hôtels et surtout les terrains d'entraînement, parce que c'est souvent là où le bas blesse. Quelquefois, il y a des beaux stades. Il y a surtout des magnifiques tribunes d'honneur avec des sièges en cuir. Il y a des terrains d'entraînement qui sont catastrophiques. Et là, au contraire, tout a été bien pensé, bien prêt. Donc, l'équipe oui, rejoint là-bas le 15. C'est vrai qu'il n'y a pas de championnat depuis longtemps. C'est selon les nations qualifiées, championnat, ouais. pas championnat. Donc, il a fallu faire une très longue préparation, quasiment un mois et demi de préparation de l'équipe avec des matchs amicaux. Jump it!